Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche de confinement, le quatrième semaine déjà, 19 avril 2020, 16h12, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Avec une histoire incroyable, une autre histoire, hein, probablement de pollution extrême, et ça se passe au Mexique. On a la lagune Chichimequillas qui devient rose, complètement rose. La lagune de Chichimequillas est devenue rose du jour au lendemain. À Zacatecas, au Mexique, les habitants craignent pour leur santé en buvant cette eau, en utilisant pour irriguer leurs champs, et toutes les sources de la région sont interconnectées sous terre. C'est vraiment inquiétant. On peut voir la couleur. Qu'est-ce qui a pu provoquer tout ça? On ne sait toujours pas pourquoi l'eau de la lagune est devenue de ce rose vif. Les résidents ont découvert le mystérieux phénomène rose vendredi, saint, tôt le matin, juste après que la communauté ait été réveillée par un rugissement bruyant. Donc peut-être une explosion de quelque chose. Il n'y a pas eu d'orage dans la région. Beaucoup de résidents ont commencé à attribuer la lagune rose à des événements extraterrestres comme des météorites tombant sur Terre ou à des événements surnaturels comme des ovnis. Pendant ce temps, l'eau rose fait l'objet d'une enquête. Les autorités suggèrent que la couleur rose bizarre est due aux minéraux qui colorent l'eau du petit lac. Ce serait sans précédent dans la région. Je vous laisserai le lien de ça. Il y a plein de vidéos. Une autre hypothèse est beaucoup plus plausible est que les algues roses fleurissent actuellement dans les eaux très salées de la lagune en raison d'un mélange parfait de températures élevées, de soleil et de faibles précipitations. L'un des meilleurs exemples au monde est le fameux lac Illié en Australie. Enfin, la couleur rose pourrait résulter d'une bactérie de soufre qui se développe en raison de débris excessifs au fond de l'étang. Ces débris créent du sulfure d'hydrogène en grande quantité, responsable de la fameuse odeur d'œuf pourri. Ce sulfure d'hydrogène est ensuite utilisé par les bactéries pour leur croissance. Donc, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça peut être des algues, ça peut être la pollution, ça peut être les engrais chimiques, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, tant qu'on n'aura pas de réponse précise, puis probablement que les Mexicains n'en auront pas, et que on espère que les dangers pour la santé sont vraiment minimales. Mais enfin, on verra bien, je vous reviens avec d'autres choses. Bon dimanche, je vous retrouve un petit peu plus tard.